Monde qui a confirmé les informations du média spécialisé dans la criminalité économique Gotham City. Caroline Receveur serait dans le viseur du fisc français. De nouvelles informations ont été dévoilées à ce sujet. Elles proviennent de son ancienne assistante. C'est une fille qui est très près de ses sous. Donc, ça ne m'étonne pas que pour des montages fiscaux, elle domicilie à droite, à gauche, ou qu'elle fasse des magouilles pour dépenser le moins d'argent. J'ai eu un appel anonyme de la brigade financière. Je sais qu'Island Keys est toujours domicilié en Angleterre. Ils sont sur le dossier depuis 2014, a-t-elle révélé avant de balancer sur le salaire de l'ex-candidate de Danse avec les Stars. Pour moi Caroline, aujourd'hui c'est une fille qui doit gagner entre 30 et 50 000 euros par mois. Ça fait beaucoup d'informations à digérer. À la tête de plusieurs entreprises, la maman de 33 ans aurait attisé la suspicion du fisc qui avait, en 2019, ordonné une perquisition à son domicile ainsi que dans certains de ses locaux. Sa société Island Keys, qui gérait notamment sa marque de thé One d'RTA, a été transférée de la France à la Grande-Bretagne en 2014. Mais selon la cour d'appel, c'est qu'à l'adresse du siège social, il n'y aurait pas de moyens suffisants pour accueillir une activité professionnelle. Le siège social de la société Island Keys Limited serait situé à une adresse regroupant un grand nombre de sociétés et ne semblerait pas disposer de moyens humains et matériels suffisants pour exercer une activité conforme à son objet. Sa société Caroline Receveur Limited, domiciliée également en Grande-Bretagne, serait également épargnée. Avoir également Caroline Receveur épanouie et libérée. Elle pose entièrement nue sur Instagram. La rédactionnelle lire aussi Karine Ferry et sa grosse boulette, en plein live Instagram. L'animatrice TF1 révèle son énorme salaire. TPMP, Benjamin Castaldi révèle le salaire exorbitant qu'il touchait.